Bon les amis, c'est RG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour l'exploitation forestière. Cette fois-ci, on va utiliser le bois qu'il y a là-bas pour faire des planches. Et on est encore en compagnie de Will. Salut. Tu vas bien? Ça va. Et il va toujours bien, bah, c'est parfait. Et puis bah, c'est lui qui nous a passé les planches. Donc il faut remercier Will dans les commentaires, c'est important. C'est grâce à lui que vous allez avoir des planches dans cet épisode. Et je vais vous montrer comment ça marche parce qu'il m'a plutôt bien expliqué ça. Alors, du coup, si j'ai bien compris, ici on pose les bouts de bois, les rondins. Ouais. On pose des rondins qui vont monter ici pour se faire couper là en planche, donc c'est vraiment sympa. On voit vraiment l'animation des bouts de bois avancés. Ouais, tu les vois. Ouais. Ah ouais, le kiff. Alors ici, vous avez votre ordinateur de bord, donc on voit tout ce qu'il faut. Donc le fuel, vous pouvez mettre des bottes, des copeaux et du vrai fuel, donc du gasoil. Et donc là, ils mettent qu'on a 0 log et 0. C'est pour ça qu'on a ramené des copeaux. Mais en même temps, vous pouvez pratiquement vous auto-alimenter parce que ça va produire, vu que vous allez couper des bouts de bois, ça va produire des copeaux qui seront ici. En plus, c'est sympa, ils ont mis un petit écran pour que tu puisses savoir combien t'en as sont allés dans les menus. Ouais, etc. Et même pour les bouts de bois aussi, c'est pareil. Ah oui, ouais, au cas où tu saches pas compter jusqu'à 10, tu saches qu'il y en ait 10, ils nous prennent un peu pour des cons, mais c'est pas grave. Alors, du coup, ici, c'est où vont sortir les planches. Donc, dès qu'il y en aura une, en fait, va falloir la retirer. Ouais, dès qu'elle sera complète, quoi. Ouais, elle va pas se pousser. Ouais, ouais. Non. Ah ouais, du coup, ça va faire des petits trucs comme ça qui vont se poser. Ah, c'est vraiment sympa, hein. C'est vraiment sympa. Je trouve que les planches comme ça sont mieux faites que sur le 15. Ah ouais, j'avais pas vu sur le 15, donc je saurais pas te dire. Mais ouais, ça a de la gueule. Et ici, c'est où on pose les copeaux de bois. Ouais. Donc ouais, ça se fait. Et regardez, les amis, on a acheté le plateau Marshall pour les transporter. Tu penses qu'on les mettra dans le sens de la longueur, comme ça, là? Histoire de pouvoir en mettre un max. On va pouvoir en mettre 2, 4. Ouais, si on fait 2 étages, on va pouvoir en mettre 8, je crois. Oh, le chargement, ça sera juste magnifique. Bon, bah écoute, on attaque. Allez, vas-y. Je te laisse mettre les bouts de bois. Vas-y. Vu que je suis pas trop un pro là-dedans, moi je vais me contenter de mettre des copeaux, hein. Ça sera très bien comme ça. Ça me dérange pas. Les copeaux, c'est très bien. On démarre le petit JCB. Faudra juste que j'aille chercher tout à l'heure au concessionnaire un pic. Celui de base, tu me disais? Ouais. On peut prendre celui qui est pas de base, comme ça on pourra verrouiller les palettes, non? Si tu veux, ouais, si tu veux. Tiens, on va essayer les amis, comme ça on va vous montrer. Pour ceux qui veulent le pic que j'ai dans le roleplay également, les Carfab, ils sont sur mon site energy5.com, hein, j'en profite. Petite promo en début, hein, petit placement de produit pour le site. C'est important. c'est important. Alors du coup, donc c'est bien ici qu'il faut poser... Oh putain, j'ai toujours un problème avec mes freins, moi j'appuie trop tard. Alors... et puis là-dedans, comme ça, et puis on verse ici. Je suis un peu trop loin pour verser. Ah non, nickel, ah ouais, on voit. Oh, puis c'est sympa, ça avance en temps réel, c'est pas bugué 100%. Tu vois exactement au gramme près combien t'en as, quoi. Ok, ah ouais, t'en mets quand même pas mal par godet. Et tu me disais, ouais, il n'y en avait pas besoin de beaucoup de toute façon. Non, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et puis en plus, ça va en produire, donc ça va être parfait. Et du coup, là, elle devrait marcher. Bah, faudra juste que t'avances un petit peu le temps. Ah ouais, bah attends, on va déjà amener tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que t'en penses? Puis après, ouais, on accélérera le temps. Je vais amener un max de copeaux parce que de toute façon, après, on va changer le godet. Hein. J'irai chercher un pic à balles. Yop. Ah, ça rend sympa les tas, franchement. Ça va être vraiment un kiff, ça. Hein. Ah, surtout pour faire des tas de fumier, etc. Franchement, ça sera vraiment un kiff, ça. Pour les roleplays, etc. Je pense faire pas mal de tas de fumier dans les champs. Ça pourrait être marrant. Hop. Ah, ouais, du coup, ça se fait pas tout de suite. Faut attendre un petit peu, d'accord. Ouais, faut qu'attendre. Ouais. Ah, c'est un peu dommage, ça. Bon, quoique, après, oui. C'est le temps que le carburant se consomme, on va dire ça. Oh là, par contre... Ah, c'est vraiment limite là où j'ai posé la scierie, mais il y avait que cet endroit-là sur l'Osberg que ça rentrait, les amis. Donc si vous voulez un endroit, il faut vraiment essayer de mettre au même endroit que moi. Si vous trouvez des meilleurs endroits, tant mieux, mais... j'ai regardé à chaque fois... Bah, t'avais vu la première scierie que j'avais posée, c'était pas terrible, hein. Ouais. Dans le haut du talus. Ah ouais, bah attends, là, j'en ai mis combien, là? Attends, je regardais au niveau du pourcentage. Le gars, il passe à côté de la scie. Non, c'est pas une bonne idée. Le truc va s'enclencher, mon gars. Je vais finir en carré de jambon. Combien il en reste du coup? Ah, 89%, je peux encore en amener un petit peu. On va essayer de remplir au max quand même. Avec le JCB, ça ne peut qu'être mieux. Hop, mais c'est sympa, ouais, le tas et tout. Franchement, je pensais pas que ça allait être au point si tôt, franchement. Parce que là, ça fait combien de temps? Ça va faire 3 mois que le jeu est sorti. Il y a déjà vraiment, on a déjà de quoi faire. Hein. Sur FS15, on crevait la dalle. Hein. Genre, on avait que dalle. franchement, là, on n'est pas à plaindre. Beaucoup de gens disent, ouais, les gens ils en ont marre d'FS17 et tout. Faut pas être pessimiste, franchement, on est pas malheureux, quoi. On a de quoi faire. Il suffit de chercher un peu. C'est vrai que la Syrie, je l'aurais pas trouvé s'ils avaient pas connu Will. il a l'œil, il voit bien les modes qui sortent, donc tant mieux. Ça me permet. Moi, ça y est, je suis full en bout de bois. Moi. Ouais, bah, je vais être full en copeaux. Attends,
D'accord, c'est 10 000 qu'on met dedans. Ok, parfait. Bon, comme ça, hop, je pourrais en rajouter en temps réel ici. On le coupe pour pas gaspiller trop d'essence. Et puis, bah attends, j'accélère un peu le temps. Ah, j'ai l'impression qu'il avance petit à petit. Non, c'est peut-être une impression. Oh, nice! Oh, excellent! Voilà. T'as le bruit aussi en même temps. Ah ouais, mais je dis oui! Mais je m'abonne direct! Ah, mais ça démonte! Ah, mais les gars, si ça ne mérite pas un pouce bleu, les gars, qu'en profite. Non, mais franchement, quoi. Oh, mais c'est un délire! Par contre, les planches, moi, je les trouve, ils sont super bien faits par rapport au 15. Ah, je sais pas, j'ai pas vu celle du 15, mais celles-là, elles sont hyper belles. Elles sont vraiment une belle couleur, quoi. T'as vraiment l'impression. Ouais. T'as limite l'impression qu'ils les ont déjà traitées, tu sais. Ils ont déjà verni. Mais oh la vache. Et là, t'as ton panel de bord qui s'est allumé maintenant. Ah ouais, oh putain, je kifferais qu'il y ait des chantiers. Ah ouais, regardez ici, ça coule. Pour une petite douche de copeaux. Ah, en plus, les copeaux, ils sont vraiment beaux. Oh putain, t'as l'impression que c'est pas des images, t'as l'impression qu'ils ont fait en 3D. Oh la vache. Là, regarde, viens voir l'animation là, Marlon. Regarde. Hop. Ah le ouais, boy, il se met là et il s'en va. Oh là 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 là, mais heureusement que tu nous as montré ça, Will. Hein. Oh, putain, ce kiff. Ah ouais, puis tu vois le truc qui les prend, les bouts de bois. Mm. Oh, et quand on a presque plus beaucoup, bah tu vois le tronc qui vient vraiment, par contre. Ah ouais? Ouais. Ah bah attends, on va bien voir ça, de toute façon. Et là, t'as le panel, là. Le panel. Ah ouais, c'est vraiment affiché en temps réel, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oh la vache, eh, le gars a fait bien ça. Hein. Interface c'est Fabric Script. Ah ouais, mais ok, il n'y a pas le nom du modeur, mais je l'aurais bien remercié. Mais à mon avis, il doit être russe ou quelque chose. J'en sais rien, mais il n'est pas français, je crois. Hein, parce que Sagewerk, je suis pas sûr que ça soit du français. J'ai un peu de mal avec le français, mais Sagewerk, je sais que c'est pas français. Non, mais, ah ouais, et du coup là, ça fait. Ah ouais, mais en fait, ça fait l'animation, mais faut avancer le temps, quoi. Ouais, ouais, parce que après, ça prend beaucoup de temps, quoi. Je vais mettre le temps en x120. Ah là ça se consomme, on voit bien que ça se consomme. Ah ouais, franchement c'est juste excellent quoi. Ah puis on voit, attendez, hop, je vais me mettre en fly. Ah bon, puis on voit que ça se consomme. Ah ouais, ici, ah ouais, le fourneau. Excellent, avec la fumée et tout. Puis la fumée elle est bien grise. Ah puis elle monte bien haut, oh, c'est magnifique. Et le modeur en fait, genre c'est beau les modeurs comme ça, qui sortent pas leur mode comme ça, allez hop, démerdez-vous. Le mec a sorti un truc mais il est complet de ouf. Et puis regarde, genre il y a plein de modes, tu les places, ils sont dégueulasses. Et là il soulève juste 10 mètres à 10 cm du sol, parfait, juste ce qu'il faut. Pile pour pas que ça gêne. Oh là là. Franchement un génie. C'est ça. Du coup notre planche nous elle avance. Ah ouais tranquille, bah du coup attends, je vais poser le godet ici, puis je vais aller chercher le pic au concessionnaire. Vas-y. Hop, oh putain, mais ce kiff quoi. Oh la vache. Oh putain, mais je suis en extase quoi. Mais le truc c'est tellement excellent quoi. Alors du coup je vais acheter le... Bon allez, on teste avec le pic mode. Le pic en mode, le carfab. Tac tac tac. Il est ouf. Ouais, celui-là pour le trouver par contre c'est un peu relou. Il faut aller dans les... voilà comme ça. Hop, je le prends. On le prend avec une extension de pic. Couleur blanc. Hop là. C'est parti. Un petit peu de vue intérieure. Je sais que vous aimez ça les amis, la vue intérieure. Mais c'est vrai que sur FS17... Sur FS15 encore, il y avait pas mal de tracteurs de base où les textures à l'intérieur, elles, c'était dégueulasse, ça bavette partout, c'était trop moche. Mais là, franchement, c'est juste un gros... Ouh, putain. C'est pas une raison pour se prendre le premier mur. Alors, c'est bon. Du coup, ça avance tranquillement, là, en x120, je pense que ouais, déjà, ça devrait avancer pas mal plus vite. Ouais, ouais, t'inquiète, ça avance. Parce que j'ai pas envie de faire ça que en contrôle R. Hop là, petite marche arrière. Non, c'est faux les amis, vous avez pas vu que je me suis mangé le mur de derrière. Non, 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 je ne vois pas de quoi vous parler. Ah, elle est sympa le pic en blanc aussi, en blanc et rouge. Il a de la gueule. Alors, c'est con qu'on peut pas personnaliser les pics aussi, alors les deux couleurs. Bon, enfin, c'est du chipotage, hein, mais... J'aime bien tout personnaliser. Alors, hop, moi je vais arriver par là. Du coup, c'est bon là, ça c'est plein. C'est pour ça qu'il a arrêté. Non, normalement ça s'arrête tout seul. Là, là ça s'est arrêté tout seul du coup. Ouais, c'est plein. Hop, et du coup, moi j'arrive comme ça. Je fais X. Mais non. Le truc, je pense pas que ça marche ce truc là. Ah cette ouais fourche là, ouais. Oh les amis, du coup, après de nombreux allers-retours avec Will pour qu'on se mette d'accord sur quelle pince c'était, finalement, c'est pas compatible avec le télescopique. Du coup on a été un peu cons tous les deux. Merde, j'en ai acheté deux du coup des fourches à balles. Du coup c'est avec les fourches à balles rondes qui parlaient, mais qui sont compatibles que... Et là c'est dommage qu'ils n'ont pas fait ça d'ailleurs pour les télescopiques aussi. Ils sont compatibles que
avec les chargeurs que on mettait, vous mettez à l'avant du tracteur. Et pas avec les télescopiques ou les chargeurs sur pneus. Hop, voilà, comme ça. Ça a l'occasion de nous servir un petit peu de ce stayer, on s'en sert pas beaucoup. On s'en est servi juste pour l'épisode où j'essayais de monter du bois à l'arrière d'une remorque, mais où j'ai fait une dépression avant de tout mettre. Ah, c'est quoi qu'ils ont pas mis un petit gyro dessus, putain. Ils ont vraiment un problème avec les gyros chez Giant, ils en mettent mais que sur quelques tracteurs. Sur les petits tracteurs, ils en mettent pas. Ah, mais c'est peut-être parce que en Suisse, il y a peut-être pas besoin. Je sais pas. Hop, alors. Ah ouais, ok, je comprends comment. C'est à côté de la palette que t'es, du coup. Ouais, ouais, voilà. T'es pile au milieu, normalement. Hop là. Comme ça, au moins, ça t'évite de bugger dans la palette et tout, et au moins... Bon, je suis un peu... Ouais. Ouais, je suis un peu de traviole, mais ouais, ça se fait. Par contre, on le met comment? On les met comme ça? Bah ouais. Et là, je pense que t'en mets un autre à côté. Oh, ouais. Quoique... Oh, si. Si. Si, si, ça devrait le faire normalement à côté. Puis on pourrait en mettre... je pense qu'on pourrait en mettre... ouais, 4. Je vais essayer de mettre ça mieux que ça. Oh, nice. Non, mais non, c'est bon, là. Attends, je vais juste le pousser. Ouais, mais il est pas large. Ouais, ouais, je vais le pousser un peu. Ouais, mais le pousse pas trop, c'était au bord, après. Ah, mais t'en fais pas, on va bien sangler ça. Un peu d'huile de coude et puis ça sera bon. Ah, je suis pas trop au bord, là. Non, ça va. Un peu le bas et puis ça sera bon. Ouais, ouais, c'est bon. Elle continue la machine en attendant. Ah oui, ouais, nickel. Les amis, ça y est, le plateau est énorme. Franchement, ça a l'air vachement lourd. Le plateau a l'air vachement lourd. Attends, est-ce que les pneus ils sont bien écrasés? Hop, ouais, ah, je crois bien. Ouais, si, ouais, ils sont bien écrasés. Ouais. Alors, attends, par contre, je vais me mettre correctement. Hop, je vais me mettre comme ça. Putain, jamais, plus jamais aux pédales parce que pour faire des trucs comme ça, genre quand j'appuie beaucoup trop sur mes pédales. Oh, ta soeur, j'étais dedans. Y'a pas de vue fourche, c'est con ça. Voilà, hop. Tu viens avec moi toi. Je fais pas dans la finesse. Je vais quand même y aller au pédale parce que pour accélérer doucement, Z et S c'est pas terrible. Hein. Bah heureusement que le chargement est sécurisé, hein, monsieur. Ah bah là, il serait déjà par terre. Ah, il serait déjà par terre, il serait retourné en copeau. On aurait été bon à tout broyer par terre. Alors. Hop. Ah là, il y a la pression là, tu te rends pas compte. Il n'arrête jamais, elle n'arrête jamais cette machine, hein. Franchement, stylé. Hein. Puis on peut pratiquement l'auto-alimenter hein, après. Non, c'est bon, on a rien vu. Tout va bien. Ouais, mais celle du bas était mal placée, comprenez. Ah, j'ai remis droit. Ça part. Boum. Et là, pac.
Et là, on a un putain de chargement. Bon, allez, tu me suis en stayer. Ouais. On va aller décharger ça. Ah, je suis tellement content. C'est tellement stylé. Bon, j'avoue, c'est Will qui a chargé les trois quarts. Parce que je voulais faire des jolis plans. Non, ça, c'est l'excuse. Hein. C'est parce que je suis nul. Non, je voulais faire des jolis plans. Non, en fait, je vais faire le tour. Hein. Parce que là, c'est même pas la peine d'essayer. Ah bon, je vais pas pouvoir reculer à l'infini. Attends, avance, limite, passe devant moi là. Alors, on va essayer de passer comme ça. Oh, mais c'est vraiment sympa à faire. Hop, et là, du coup, en vue intérieure, vu qu'on est des pilotes. Ah, parce qu'en plus, il est pas sur Dolly, du coup, il tourne beaucoup moins bien. Oh non, mais laisse tomber. Il tourne beaucoup, beaucoup moins bien. Après, j'ai pas pris l'arrêt. C'est pareil. Bon, il est alors, passé. C'est bon. Wow, il prend large, mon gars. Ah ouais, mais là, je passe pas. Évite de rouler trop vite, Marlon, hein, parce que j'ai pas envie que ça tombe par terre. Ça serait embêtant, ça serait compromettant. Wow, comment il est lourd. Le plateau, il faisait du deux roues, là. Ça penche tout presque d'un côté. Wow. Le chauffeur serein, on se croirait en Pologne, le truc. Non, on va tout droit, à droite, non. Attends, la Syrie, elle est où? Bon, on va passer par là, tiens. Moi, je passe par là. Bah, vas-y. De la Syrie. Bon, ah, attends. C'est un cul-de-sac, là, de toute façon. Donc, voilà. Donc, j'ai bien fait de passer parce que pour faire une manœuvre avec ça, voilà. Bah, faut que j'ai une route, c'est un là. Peu compliqué. Ouais, mais bon, si c'est une route. Putain, je vois mon plateau dans mon rétro, mon gars. J'ai le malheur de tourner un peu le volant, ça y est. Hein. Oh la vache! Ah ouais, il penche bien. Oh, ah ouais, mais c'est terrifiant. Ah merde, c'était là qu'il fallait tourner. Stopper les machines. Le truc dans taxi. Attends, c'est ici. Hop. Voilà. Comme ça. Ouais, bah limite, c'était plus rapide. Hein. Attends. Oh la vache, je monte. Putain, les lampadaires, il pourrait les faire. Oh là là, la gueule des palettes, toi, derrière. Oh. Le mec, on va lui charger ça, il va être. Ah non, mais les gars, je sais pas comment vous faites. Je sais pas pourquoi votre tracteur est encore sur ces quatre roues là. Parce que. Bah, heureusement que c'est olé, un 930. Olé. Oh, on peut... Attends, je sais pas. Est-ce que ça vend direct? Je sais pas si ça va se vendre là. Ah ouais, je sais pas où ça se vend, tiens. Ça se trouve, ça se vend pas sur cette map, faut placer un point de vente. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah ouais, bon bah écoutez, on aura au moins fait des planches. Dis-nous dans les commentaires si vous savez où vendre ça. Peut-être avec la laine, on sait pas. On verra bien. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, nous on s'est éclaté. Franchement, les planches c'est super. Hein. Franchement, ouais. À refaire. Hein. Franchement, sur une autre map, à refaire. Ah ouais, on aurait pu faire un chargement logistique avec ça. Hop, t'enlèves les sangles et puis. Attends, je vais essayer un truc. Vas-y, attends. Essaye avec les cabines, c'est ça que je parlais. Essaye d'en choper une. Quand même, les amis, quand même. On se fait plaisir. Je me suis dit, on va arrêter la vidéo. Mais non, on va tester ça. Il est chaud là. Là, tu sens qu'il a la pression, tu vois. Il y a tout le monde qui le regarde. Le challenger français, Wilfried. Il est là. Est-ce que tu peux en prendre deux? Bah, attends, c'est ce que je vais essayer de faire. Non, mais là, genre, le mec, il va broyer les planches, c'est. J'arrive à partir de partout. Ah, ça va être chaud, hein. Prends-en qu'une, hein. Ah, quoique. Ah, décale-toi encore un peu à gauche. Ouais, attends. Oh, parce que c'est chaud les manettes. T'as des sangles? Hein? Ouais, j'ai t'as des sangles. Ouais. Avance. Sangle-les, sinon ils vont tomber. Bah, c'est pas grave, au pire. Avance un peu. Bah, ouais, attends. C'est que c'est chaud. Non, mais dans l'autre sens. Ouais, là c'est bon. Essaye, vas-y. Ah, mais je pense que tu vas pas pouvoir en prendre deux. Hein. Attends, je t'en enlève une, au pire, t'en prends qu'une. Vas-y. C'est tellement pratique comme truc ça. Hop, en 2 secondes. En 2 secondes, tu décharges. Avec ça va être encore plus pratique. Merde. Ah, vas-y, descends. Là, normalement, tu peux la prendre easy, je pense. Et il sert. Lève. Prends. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est juste excellent, je kiffe ma race. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis, en tout cas. Nous, on se retrouve très prochainement, la semaine prochaine, sûrement sur une autre map. On va changer. Proposez-nous des maps forestières, d'ailleurs, que vous aimez. Même si on en a pas mal, vu que Will m'en propose pas mal. Puis bah écoutez, c'est énergie. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.